Re YouTube, ça y est, on est paré à tout comprendre. Et finir le jeu. Il y a hier pendant mes tests, je me suis un peu spoilé. Parce que il y avait ça. Hop. Aïe. Ah mais il meurt direct dans l'eau. Il sait pas nager ce con. Ah merde. Ah merde. En fait, il sait pas nager. Regardez, il y a un truc là. C'est quoi la planète verte là? Il y a un truc qui vient de péter et qui vient de se barrer. En fait, je vois depuis le début, mais j'ai jamais fait gaffe. Tu respires peut-être pas sous l'eau. Ah. Ah, mais faudrait que j'ai la combi. Regardez. Hop. Combi. I've got the combi. Moi je redescends. Voilà. Ah ouais, là j'ai la combi. T'as la chance que je te consigne pas pour des raisons médicales, parce que je comprends rien à ce que tu racontes. Mais il y a une carte. Oui. Il y avait quelqu'un ici. Ah, il y avait quelqu'un. Oh, ça me repousse ça. Attendez, il y a un passage là. Attendez. Attendez. Les propulseurs, ça marche pour un temps, d'accord, mais après... Ah, regardez, il y a un truc là. Sliders, regardez, on se trouve dans Sliders. Je suis où? Ah là, il y a un autre truc. Alors soit je peux sortir, j'imagine, par là.
Ouch. Oh mes genoux. Ah mais regardez. Il y a les pierres qui disparaissent là. Do you remember the pièces qui disparaissent? Fluctuation quantique. Ah, j'ai découvert un truc. Un chemin là. Il y avait un panneau. Il est où le panal? Il y a le panneau. Marqué quoi sur le panneau? À travers l'Écosse centenaire. L'ombre tranquille. L'obscurité mobile. Et l'antique clairière. Et là il y avait un chemin. Ah mais il y a un autre truc là. Ah, et le panneau il disparaît aussi. Hein? Mais regardez! Mais regardez! C'est le bordel! Il y a... il y a le panneau il disparaît aussi. On comprend que. Oh, c'est pas ça. Il y a un arbre. Est-ce que c'est un arbre quantique? Quoi en haut de l'arbre? Faut que j'aille dans l'arbre avant que le soleil il explose. Il y a un moment il y a le soleil il explose, regardez. Et il est pas content le soleil. Enfin là il va bien mais après il va s'énerver. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit? Note de recherche de Chael, propriété de Chael. J'ai détecté un signal bizarre qui provient du bois dans ce cratère. Il est très similaire à celui émis par la lune quantique. Et il semblerait donc logique que les deux signaux aient un lien l'un avec l'autre, la lune quantique. On ne sait pas grand chose de la lune quantique, vu que personne n'a réussi à atterrir dessus. Avec un peu de chance, étudiez le signal dans le bois, vous en apprendrez plus. C'est le bout où j'étais à l'instant, non? Non? Et voilà, c'est le bout où j'étais.
Je l'ai trouvé. Mais c'est le machin qui tourne autour du soleil. Mais jamais je vais là-bas, moi. Ah bah là aussi. C'est à laquelle celle-là? L'intrus. Hein? Comment ça l'intrus? Faudrait que j'y aille, mais je vais pas avoir le temps. Si, non, peut-être. Pourquoi pas? Attends, guetteur. Non mais là le soleil il va cramer, je pars le temps. Est-ce que je vais m'écraser? Alors, est-ce que je vais m'écraser comme une merde ou pas? Alors c'est quoi l'idée maintenant? L'idée maintenant... c'est que j'ai... Il y a une lune quantique... Enfin, il y a un... Regardez. Là. Regardez, il y a un intrus. Vous avez vu? Et ça? Et ça là? J'ai découvert la lune quantique là. Il y a un autre truc dans le fond là. Mais j'ai découvert ça. Et du coup je vais y aller. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Yes! Ah quel génie! Je suis trop bon. Non, c'est les viates. Hein? Ah non, il y a un truc entre deux là. Non! Putain, y'a un trou noir! Sortie de la fusée pour les réparations. Coque arrière endommagée. Train d'arrière. Je me suis cassé les jambes! Ah merde! Ah, j'ai plus à boire! Ah! Truand de la galère là! Ah merde! Il y avait un truc là! Il y avait un truc! Regardez, il y a le truc là!
Mais pourquoi j'ai pas accès à la carte là? Ah là, pour avoir... Ah, d'accord. Pour avoir accès à la carte, faut que j'ai le... La combinaison. Ok, d'accord, ça marche. Et bah moi, j'ai chopé l'intrus. Choper l'intrus, choper l'intrus. Let's go. Ok. C'est par là. Ah, je crois. Je m'écarte. Pourquoi je m'écarte du soleil là? Allô? Qu'est-ce que je fous? C'est compliqué. Hein. Ah, regardez l'intrus, il est là. Let's go. Là, on y va là. Merde. Shit. Et pilote auto, allez vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Rattrape-moi ça. L'image des rétrofusées, mais pourquoi les rétrofusées? Mais il est rebou l'ordinateur de bord là. Merde. Comment ça, cible manquée, il se fout de ma gueule? Oh c'est chaud! Vite! Allez! Oh c'est chiant. C'est chiant à apprendre. Hein.
Ah d'accord, faut appuyer sur... Ah ouais. Chic planète dans son dessus. Oh 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 oh. Je suis dessus là. Ça glisse. Ah, y a un truc. Clary, voilà qui est problématique. Il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Si nous restons trop longtemps à la surface, la navette pourrait complètement geler. Mais si ça arrivait, ne pourrait-on pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge? Il y a un canon gravitationnel sur la sablière rouge. Si, mais ça rendra l'exploration de la comète beaucoup plus difficile tant que personne n'aura rappelé la navette. N'aurions peut-être pas dû atterrir à la sur la face cachée de la comète. Et si l'une d'entre nous restait à bord de la navette pour continuer à faire chauffer les moteurs et surveiller la surface? Je pense que c'est une bonne idée, Clary, si tu ne vois pas d'inconvénient à rester ici. Pourquoi moi? Allons explorer la surface. Ok, donc... Aïe. Ça glisse. C'est quoi à côté là? Je sais pas. Et donc, ils ont dit sur la sablière. Et donc il y a un truc sur sablière rouge. Et mon chat, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Bang. Aïe. Aïe ma tête. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller sur la sablière rouge? Je pense pas. Mais c'est gravité. Je veux pas la gravité, moi. Non, ça c'est la trebois. Je veux pas la trebois, moi. C'est quoi ça? Ah non, les v'là. Alors je veux sablier rouge, moi. Voilà. Let's go. C'est quoi le machin, là? Putain, ça va vite. Ça va si vite. Allez. Allez. Oh, c'est une fois qu'on a pris de la vitesse, c'est impossible de ralentir.
Mais vas-y. Allez. You can do it. Bon, c'est toujours un peu... Ça bouge un peu toujours, hein, mais... Non. Ah, j'ai cru que c'était le soleil qui commençait à... Ça va être où? Ils ont bien dit qu'il y avait un truc ici, non? Peut-être que ça va marcher. Balise de détresse. Et il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes, mais chaque chose en son temps. Tout le monde est indemne. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc, mais ils se portent bien. Anona, tout le monde a survécu au crash. Quel soulagement! Je te présente mes remerciements, Burr. Es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai tous les deux localisés dans ce système stellaire, mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne soit écrasée sur la même planète que nous.
Aïe, merde. Collision imminente, préparation à l'impact. Oh merde ce jeu! Ah putain! Je crois que l'eau était un peu froide. Je crois que l'eau était un chouïa froide, mais je suis pas sûr. L'eau? Bah oui. J'ai mis les pieds dans l'eau là. Un journal de bord. Oh, tellement de trucs. La lune quantique. L'œuvre de Chail évoque une lune quantique sur laquelle aucun Atrien n'a encore réussi à atterrir. Il existe dans ce bois un étrange fragment de roche qui se déplace quand je le regarde pas. Il m'a signé sur la fréquence de fluctuation quantique. J'ai trouvé un poème écrit sur l'un des arbres de ce bois. Je crois que tu comprendras cette mort plus tard. Ah, vous êtes tous en train de vous foutre de ma gueule. L'une de ces trois capsules de sauvetage... Attends. L'une des trois capsules de sauvetage d'Omai qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Ces trois capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau qui avait subi d'importants dégâts. Il reste des choses à explorer ici. Donc faut que j'y retourne. J'ai découvert une navette Nomai complètement encastrée dans la glace. La navette comptait trois passagers Nomai. L'un d'entre eux resta à bord pour garder la navette au chaud pendant que les deux autres exploraient l'intrus. La navette Nomai jugée sur un truc peut être rappelée au canon... Attends, peut être rappelée au canon gravitationnel sur la... Ah, la navette Nomai gelée sur l'intrus peut être rappelée au canon gravitationnel sur la sablière rouge. Hein ? La beauté d'être viewers dans Wild. Profiter de la galère du streamer. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est ce que vous croyez, mais pas du tout. Je galère pas en fait, là c'est pour déconner. Dans les graines. Tactite veut utiliser un lance-guetteur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, maintenant je peux faire ça déjà. Regardez. Déjà, je pourrais faire ça. Parce que... le lance-guetteur, c'est ici. J'ai envie de dire des trucs, mais pour l'instant, ça te spoilerait. Alors, je m'abstiens. C'est ça. Abstiendez-vous. Donc là, il y a la rocaille. On va redescendre. On va lancer le lance-guetteur. Non, le truc... Ouais, enfin, le machin, là. Oh, je suis nul avec les noms, hein. Bah, il arrive plus à sauter ça! Sans déconner! Ah, mais je suis en train de faire le tour alors que j'avais pas besoin de faire le tour là! Je suis complètement con! Je pouvais sauter et puis faire un petit coup de jetpack! C'est pas grave!
peux sauter maintenant. Attendez. Hop. Non, c'est bon, c'est est-ce que c'est ici? Les lance machin là. Oui. C'était quoi? Le cratère. C'est par là, hein. Non, c'était pas par là. C'était pas là, pas par là du tout. Mais il était où le mec avec sa plante là? Je sais plus où il était, moi, le mec avec sa plante, là. Comment je peux savoir? Ah mais si! Non, c'est pas ça. Ah bah non. Ah non, il me faudrait la fusée. Il y a un truc affiché sur la TH. Cratère du bois quantique. Mais là, la fusée, elle est à perpète, quoi. Attendez, on va tester un truc. Je suis un fou. Je mange des clous. Quel génie. Non, ça on s'en fout. C'est ça. Ah merde! Je peux pas retrouver où c'était? Là c'est pareil, je peux lancer un lance-guetteur depuis... Ah oui, c'est là. Ah. Ah. Regardez, parfait. Je crois que c'est fait exprès.
Oh, c'est pas ça? C'est pas ça qu'il voulait fallait faire? J'ai rien compris. J'ai rien compris, c'est ça? Attendez. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas ça. Une graine de son bronze s'est écrasée ici, a déjà pris racine. Tektit veut utiliser un lance-guetteur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah! Là, j'ai Activated. Ah, la lune quand... Quoi? Ça me donne quoi d'avoir activé le truc, là? Les graines. Ben voilà. Donc là... Je retourne au village. Qui doit être par là, hein. Le village. N'est-ce pas? C'est joli par ici. Hein. Oh là là, oui, regardez! Aïe, aïe, aïe. Aïe. Il y avait les ruines, machin chose, là. Ce machin. C'est chelou. Retourner à la fusée. Voilà. J'avais vu ce truc là, mais je... Là, je... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, regardez, c'est par là. Tout va bien. Tout va bien. Il ne s'est rien passé de grave. Tout va bien. Et donc là... Oh non, mais les trucs de son bronze. Oh non, hein.
Vas-y, remets-moi le truc, hein. Ah voilà. Pourquoi il me l'affiche plus? Pourquoi ce compte-jeu me l'affiche plus? Tout à l'heure, il me disait c'était à temps de mettre. Ah si, les graines de son bronze. Si, c'est marqué. Regardez, les graines de son bronze. Par là. My bad. Hop. C'est par là. Ça va trop loin en fait. Comment on fait pour arrêter un guetteur là? Ah merde. Ah ça va être quelque chose hein, ce jeu. Hein. Comment je fais? Bordel de bite. Je peux pas le dérégler? Je peux pas le casser? Si je le casse, il ira plus loin, non? Ah, puis j'ai cassé. Merde. C'est bon. Je l'ai réparé. Tout est oublié. Ah, je vais cramer le gamin, quoi. Ouais, il est juste là, quoi. Aïe, arrête. Regardez, pas sûr que c'est ça que je me demande, hein, mais... Mais c'est pourquoi? A priori ça a marché. Je sais pas si c'est ça que le jeu voulait, mais a priori ça a marché. J'ai peut-être arnaqué le jeu là. Hein. Intérieur de la graine, vas-y. Quand j'ai envoyé mon guetteur à l'intérieur de la graine qui était écrasé sur la trobouille, il s'est trouvé quelque part sur son bronze. Je vais lui dire. Je vais lui dire machin. Petite pierre, je croyais que je t'envoyais un tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui. Hein, hein. Hein, gna 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 gna. Alors c'était quoi? Je sais pas, hein, j'ai encore vu ça sur notre bois. J'ai envoyé un petit guetteur, voilà, ça. Ah, t'as fait ça? Et tu dis que c'est plus gros, donc dehors. Sans une belle plaie à tailler en pièces, ça c'est sûr. On peut se débarrasser d'une graine qui a même pas la petitesse de faire la même taille partout au moins. Je prends une hache en plus au cas où. Même trois, tiens.
Ok. Super. Super. Mon vaisseau qui est complètement en vrac, quoi. Bah ouais, bah faut que j'aille sur Sombre Ronce, c'est ça? Merde. Ah oui, bah, j'essaie de décoller alors que je suis pas au point au pilotage. J'essayais de décoller à l'intérieur. Ça ne marche pas, hein. Spoiler, ça ne marche pas. Graines de sombre ronce. Pourquoi ils mettent les trucs à droite là? Je pige rien. Je vais vers quoi là? Je vais vers son sombre ronce. Et merde. Mais non, mais pourquoi ça se barre à chaque fois là? Attendez. Mais j'ai encore mouru. Mais le jeu, il est pas sympa.
Mais un truc est passé. C'est tombé à côté. C'est tombé juste à côté là. Je l'ai vu. Dans le coin, non? Non? C'était dans le coin ou c'était pas dans le coin? Bien, hein, presque. S'en fout ça. Tiens, fait pousser un, tout a l'air d'aller bien, mais faire apparaître la solitude commence à lui peser. Ok. Là, il y avait un truc là. Ça, c'est le bois chelou, ça. Bon, attendez, je vais relancer. On va se retenter sombre ronce. Mais cette fois-ci, sans mourir. Attendez, là, il y a la tour. C'est par là. Oh, oh. Est-ce que vous avez envie de vomir? Moi non plus. Alors. Oui, il faut que je sois plus près que ça. Aïe. Merde, c'est devant. Merde. Yes. On y va. Je vais vite, je vais vite, je vais vite.
J'allais un peu vite. Mais non, mais non, mais arrête. Ah, de faire le con, on rentre là-dedans. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs là. Choisis le bon, c'est ça? Hop, 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 hop. Ah. Oh, c'est ok. Regardez. Allez, tout est ok. Je l'ai retrouvé. Waouh. Mais d'où tu viens? Personne n'a mis les pieds ici depuis jamais en fait. Ça fait de toi le deuxième Atrien arrivé sur Sombre Ronce après moi. Bien sûr, bravo. Eh mais c'est toi? T'as fini astronaute? T'as pas sauté au décollage ou en vol? Bien, bien. Felspace, tu es en vie? J'ai jamais été la pierre la plus brillante du lot, hein. Bien sûr que je suis en vie. Je campe ici depuis que ma fusée s'est genre écrasée violemment. Pardon? Histoire qui vaut le détour. Mais c'est pour ça qu'on a le signal en double en fait, qu'on l'a aussi sur Terre. Enfin sur Terre, sur Atreide. Atreyu, je sais plus là. C'est parce que... C'est parce qu'en fait oui, ça passe par la plante. Ah, je viens de comprendre. Je viens de finir d'explorer le cœur de Léviat et je cherche un nouveau défi à relever. Et comme personne n'est encore allé à l'intérieur de Sombre Ronce, je me dis ça se tente hein. Au moment que je navigue dans le coin, esquiver ces énormes liades interdimensionnelles couvertes d'épines quand je tombe sur ce gigantesque... C'est la cante, le plus gros que j'ai jamais vu. Je fais quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grappe, rien de bien extraordinaire. La pleine vitesse quand le poisson me cogne et m'envoie valdaguer droit dans une plante. Et là, bref, comme je t'avais dit, je m'écrase. Badaboum. Au moment de l'impact, ma fusée se met à faire des bruits comme si elle partait en miettes de l'intérieur. Alors je me dis, ça craint un peu, tu vois. Ça va pas manquer. À peine je sors de là, que les systèmes électriques se mettent à faire des étincelles dans tous les sens. Soit je bougeais de la fissa, soit je me connaissais un chemin tragique. Non, soit je connaissais un destin tragique. Alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre fusée calcinée. Je commençais par installer mon campement pas très loin de l'épave. J'ai trouvé ce squelette, une belle trouvaille. Ça aurait été idiot de ma part de pas m'en servir. J'ai donc déplacé mon équipement ici et planté mes graines de secours. Puis je suis là. Un miracle que tu as envie. Tu sais, à une époque, je me disais la même chose à chaque fois que je rentrais d'un vol en un seul morceau. Mais maintenant, j'y fais plus attention.
Enfin, voilà ce qui s'est passé, petite pierre. Je finis avec mon histoire. Tu peux rester profiter du feu si tu veux. Je peux partir. Le feu ne bougera pas d'ici. Tu veux autre chose? J'ai fait une découverte. Tu atteins le cœur de Léviath. Comment t'as fait? Un truc de dingue. Si tu le demandes, je suppose que t'as pas encore essayé d'y aller par toi-même. Ce serait un peu de triche si je disais comment faire. Ça n'a rien à voir avec la liane dans laquelle ma fusée s'est écrasée. J'ai giganté ses creuses, ouais. Si c'était toi, j'irais faire un tour pour voir où elle conduit. Ce squelette de Sélacanthe jusqu'à sa queue et cherche la lueur vacillante dans la brume qui reste de ma fusée. Le passage part de là. Je piche rien. La petite verre va faire griller quelques guimauves. J'ai fait une découverte, raconte-moi. J'ai trouvé une graine de sombron, ça va trop boire. Très mauvaise nouvelle, petite pierre. Ça ne tue pas l'existence de sombre rond. Attends, de sombronce en sa présence. Shell a dû te dire qu'il y avait une cinquième planète, son droit avant. Cette plante infernale est apparue au centre et a poussé, jusqu'à faire éclater la planète et éparpiller ses fragments dans l'espace. Ah ! Ne s'occupe pas, genre, rapidement de cette graine que tu as trouvée. J'ai peur qu'être bois ne subisse le même sort. Je vais te dire, nous les êtres rien. On a traversé trop de choses pour se faire avoir par une vulgaire graine. Oh là, putain. Je suis pas fatigué, promis. Que devrais-je explorer par ici? Voilà ce que je veux entendre. Trouvera sûrement à faire Outaï, mais sache une chose, l'espace est bizarre ici, et pas qu'un peu. J'ai déjà essayé d'envoyer une de tes sondes dans l'une de ces graines étranges. Tu vois là le petit trou, c'est juste assez gros pour qu'une sonde s'y glisse. Le V t'indiqueront que ta sonde est à deux endroits en même temps. Mais je pense pas que ça soit vraiment une erreur, parce que l'espace fonctionne différemment ici. Cette graine a l'air assez petite, non? Elle est plus grande à l'intérieur, beaucoup plus grande que ça. J'ai beaucoup de temps à réfléchir à ma théorie, c'est que l'espace sombronce s'étend en quelque sorte chaque fois que tu traverses une sphère. C'est pour ça qu'il est plus grand à l'intérieur de ces graines. Enfin, c'est juste une théorie. Garde ça en tête pendant que tu explores son bronze. Ça évitera peut-être de t'y perdre à tout jamais. Bonne chance. Où est ta fusée? Pas très loin d'ici. Si tu vas jusqu'à la queue de ce squelette de Sélacanthe, tu verras une lueur vacillante dans la brume. Enfin, ce qu'il en reste. Il est arrivé à quoi, Sélacanthe? Oh, le squelette, déjà comme ça à mon arrivée. D'autant que je sache, ce pauvre Sélacanthe a dû mâchouiller la liane et avaler une graine. Ensuite éclos et poussé dans son estomac jusqu'à ce résultat. Dégoûtant, hein. Le squelette est une bonne trouvaille. La lumière garde le poisson à distance, tu sais. Ils sont très territoriaux. Alors ils évitent de s'approcher des uns des autres. C'est pour ça que j'ai installé mon campement ici. Tu me veux que je demande à la base de venir te chercher? Ouais, pourquoi pas, quand t'auras le temps. Pour être honnête, j'aime bien cet endroit. Calme, paisible, plus ou moins. Un peu trop jeune pour comprendre, mais servir de modèle à tout le monde, c'est une énorme pression. J'apprécie cette petite pause. Petite guimauve. Pause sieste. Merde, quoi j'ai jeté? Quoi? Ah, ça m'a propulsé direct? Ça c'est ma fusée? Par où on rentre dans ce machin?
Alors je pense qu'il faut que j'aille chercher... chercher ma fusée. Mais non mais arrête! Il se barre. Il s'arrête, non mais il est en train de s'éclater. Arrête, 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 arrête. Bon pourquoi il y a un truc signal non détecté là? Aïe. C'est ça, ouais. Bien vu. J'allais pas dans le bon sens. Bon, faut que je retourne dans mon truc là. Attendez. Il était bien moché le truc hein. Il était vraiment bien amoché. Je vais aller plus loin. Allez. Et comment je freine, putain? J'ai pas compris comment je freinais encore. Il y a encore un feu de camp? Bon c'est bien, je suis coincé là, c'est bien. Armoire à soins, à carburant. Ah oui d'accord. Il est encore là lui. Ça me sert à rien sa fusée.
Ah d'accord. Je vais aller quand même aller voir l'ordinateur de bord. Hein? Pourquoi il est cassé? Bah qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur de bord là? Allô? Ah j'ai pris le jus. Ah oui d'accord. Système électrique endommagé, d'accord, ok. Et non mais je suis juste con. Désolé, je suis juste con. Hein. Oh non, j'ai entendu un gros boom. Ça pue. Ouais, voilà. Ouais, bah oui, bah oui, bah évidemment. J'ai entendu un gros boom. Je crois savoir ce qui s'est passé. Il faudrait que je demande à quelqu'un d'aller le chercher, si j'ai le temps. C'est rigolo ce petit retour arrière là. La boucle temporelle, me faire tuer. Allons voir l'ordinateur de bord, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons ici. Felspace est en vie sur le crash de sa navette. Felspace a établi son campement à l'intérieur du squelette d'un gigantesque sélacanthe. Sur Felspace, les relevés indiquant que mon guetteur se trouve à deux endroits en même temps ne sont pas erronés. À l'en croire, l'espace fonctionne différemment à l'intérieur de son bronze. Felspace n'a pas l'air particulièrement avide de retrouver la civilisation, apprécie le calme et le silence relatif de la planète. Passe à laisser entendre que la liane creuse dans laquelle son vaisseau s'est écrasé renferme à son extrémité un secret pour atteindre le cœur de Léviat. Pour retrouver le vaisseau de Felspage, je dois suivre le squelette de Sélaconte jusqu'à sa queue et chercher une lueur vacillante dans la brume. Ah! Donc il fallait que j'aille plus loin en fait. Ah, j'ai bien chié en fait. Ah mais c'est trop tard maintenant, faut que je ah bah non, faut que je renvoie le truc. Sinon je vais tomber sur le sélacanthe méchant là. Donc il faut que je vomisse déjà. Attends mais c'est où? Non c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Aïe! Ah! Ça commence mal hein. C'était même pas par là? Ah si c'est là. Je vais le... Non c'est pas là. Si c'est là. Je vais y arriver. Promis je vais y arriver. Carglass répla... Est-ce que vous pensez que le... L'impact est plus petit qu'une pièce de 2€ ou pas là? Il s'accroche à l'arbre.
Je vais y arriver. Merde. Merde. Apec. Le mec a un jetpack, mais non, faut qu'il se pose sur l'endroit avec son gros vaisseau. Non, mais là, j'ai le pare-brise, il est pété, je vois rien. Ralenti. Par pitié, ralenti. Mais pas comme tout à l'heure. Quelle saloperie. Oh merde. J'ai pas mis le... Oh merde. Oui, ça me plaît, ouais. Non, ça me plaît, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. J'ai oublié de mettre le scaphandre. Ah merde. J'ai oublié de mettre le scaphandre, quel con. Mais je me demandais, je dis, mais pourquoi il... Ah, pourquoi il bouge pas? J'étais vraiment en mode, mais pourquoi il fait... Comme ça.
Je comprenais pas pourquoi il faisait des petits bruits là. Mais premier truc à faire, hein. Vous rentrez dans le vaisseau, paf, vous mettez la combi. Hein. N'oubliez pas les enfants, mettez vos combis. Hein. Ah, j'ai éteint les phares. J'ai rallumé les phares. Ta-da-da-da-ta-ta-da. Hop, hop, hop. Oh, c'est bon. Et regardez. On y arrive de mieux en mieux. Merde. Loupé. Merde. Pourquoi danger? Merde. Merde. Hop là! Je peux te donner un conseil logistique? Oui, vas-y. Je suis preneur de des conseils. Que j'aille trop vite parce qu'après je vais encore m'éclater dessus. Je vais trop vite, 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 je vais trop vite. Non, c'est bon. Dans ton journal de bord, c'est une indication, tu peux les suivre sur la TH. T'as vu tout à l'heure? Oui. Ça, j'ai vu. J'aurai pas forcément d'envoyer le guetteur. Tu dois avoir une destination. Ah, d'accord, ok. Mais là, j'ai pas envie de me faire avoir par le. Par le Sélakant. Méchant là. Donc, est-ce que là, sur le truc sur la TH. Ça va me. Bon, déjà, je me démerde un peu mieux sur le. Évidemment, fallait que je fasse ma gueule. Je me démerde un peu mieux sur le. Je te laisserai trouver comment gérer ces saloperies. Ah, regarde, maintenant je les gère bien. Regarde. J'ai juste à suivre le petit machin là, puis après c'est bon. Hop, 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 hop. Par là, toi. Hein. Nous, Outerwell, ça m'arrive de bien flipper ou angoisser. On a l'autre. Alors, Monsieur Sélakant, il est là. Non mais tu t'es pas tapé là, arrête un peu. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il me fout? Qu'est-ce qu'il me fout? Je suis coincé quelque part ou quoi là? Allô? Merci. Bon. Faut
Faut que j'essaie de rentrer sans que le machin là il me déglingue. Là, je passe pas là. Je suis obligé d'y aller à pied. Ok. J'ai mis oui, non c'est bon, je l'ai mis. C'est bon. Attendez, c'est dans quel sens? Merde, c'est dans l'autre sens. Aïe! Arrête. Je me suis déjà fait croquer. Oui, bah en fait, la première fois que je suis rentré dans ce bled là. Première fois que je suis rentré dans le bled, j'ai filé tout droit. Je suis juste allé tout droit. Et ça s'est mal passé. Je suis où? Oui? Arrête! Ça repère multiple. Voyage 4, entrée numéro, on va dire plus que 1. Crash 3, crash ennuyé 0, mon record perso. Waouh, je pensais pas que je verrais une de ces bestioles hors de l'Eviat. Elles m'ont été incroyablement utiles là-bas. Peut-être qu'une méduse pourrait m'être utile ici aussi. Pouah! Ce machin a un goût infect, l'épiderme est épais et caoutchouteux. En fait, pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Bon, je vais voir si ce qu'il y a dans la cavité intérieure. Si ce qu'il y a dans la cavité intérieure a meilleur goût ou pas. Quoi? Il y a un truc. Non, t'as fait le space. Ne mange pas ça, même si ta vie en dépend. Ce serait vraiment trop triste que ce truc soit ton tout dernier repas. Je suppose que ces méduses ne peuvent pas servir qu'à protéger les courants électriques. Je répète, ne mange pas ça. Tendrement, fais le space. Il s'écrit à lui-même. Quoi? Il s'est écrit à lui-même. Ça se borne. Mais je suis où, moi?
Alors, c'est quoi? C'est quoi que j'ai trouvé? Ok. Elle passe à consigner ses tentatives de manger cette gigantesque méduse congelée. L'épiderme était épais et caoutchouteux, peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Elle passe à décider d'explorer la cavité interne de la méduse pour voir si elle avait meilleur goût de l'intérieur. Après avoir goûté l'intérieur de la méduse, Felpas est parvenu à la conclusion que ces organismes ne servent qu'à se protéger des courants électriques. Ah mais je pourrais rentrer dans son... Attendez. Attendez. Il y a son vaisseau là, je prends des décharges à chaque fois que je m'en approche. Et du coup... Est-ce que ma combinaison là est plein de... De méduses? J'ai pas compris. Aïe. Attendez, je suis en train d'aller dans le bon sens ou pas là? Oui. Bon. Voilà, ne mange pas ça, blabla. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup? Un truc que j'ai pas vu. Ah mais j'ai un lance-guetteur Ah non. Non. D'accord, je viens de comprendre. C'est pour ça qu'à chaque fois, je l'utilisais celui de la fusée, mais j'en ai un manuel. Portable. Bon. Du coup là c'est cool. Est-ce que je suis plein de méduses? Attendez, la fusée est à 12 bornes. J'ai l'air d'un con là. Bon, la fusée est à 1 km 1.
Ah bah clairement c'est un... Oui, oui c'est un jeu... C'est un jeu où tu cherches la connaissance quoi. Clairement. Alors, est-ce que je me suis déroulé dans la méduse? Putain, c'est l'enfer! Faut que je fasse quoi là? Je vais aller parler à machin. Waouh! Et d'où tu viens? Personne n'a mis les pieds ici? Ah non mais on se connaît déjà, arrête. T'as fini astronaute? Laisse-moi deviner. Oui, du premier coup, j'imagine quand on est allé avec un dépoison, c'est pas très dur à faire l'approchement. En détendant moins un peu, remplis ta réserve d'oxygène, petite pierre, j'ai assez de feu pour tout le monde. Une découverte. Ta fusée. Cœur de Léviath. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Tu conseilles qu'il faudra gagner du temps. Quand t'as encore des choses à faire dans une zone, c'est indiqué dans ton journal de bord. Ouais bah oui, ça je suis déjà tombé dessus, ouais. Est-ce que t'es en train de me dire que là j'ai plus rien à faire? Ah, c'est une vraie question, hein. Est-ce que du coup là j'ai plus rien à faire? Pour de vrai. Dans ton journal et tu sauras. Et bon, on y va. Si j'ai assez de carburant. Fusée, fusée. Allez là. Yes. Là, carbu revenu. Regarde, journal de bord. Il n'y a pas marqué. Oui, effectivement, il n'y a pas marqué machin.
Là, il reste des choses à explorer par exemple ici. Là, j'ai pas. Je sais pas pourquoi il y a des trucs verts et oh. Sablière, il y a la rocaille. Le campement. Allez, on est des fous. Je me touche partout. Je me touche partout. Non mais pas comme ça quoi, arrêtez. Ah, je suis rebou. Ça va faire bzit. Oh, ça a pas fait bzit. Oh, ça a pas fait bzit. Trop bien. Ouais, mais les trucs endommagés, c'est pas grave. Je suis paumé. Je suis full paumé là. J'ai juste envie de me faire bouffer par le... par le sélacanthe là. Ah bah de toute façon je crois que je vais bientôt mourir. Oui, je vais bientôt mourir. Allez. On va regarder ça là. Hop là! Allez, et on va s'arrêter ici. Des bisous YouTube.